Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de choisir un livre qui s'appelait Le livre en colère. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, mais je pense qu'en cette période de confinement, c'était peut-être une bonne idée de faire une piqûre de rappel. Oh là là! Le livre est rouge de colère. Approche-toi et demande-lui, que se passe-t-il? Laisse-moi tranquille. Ouh, il est très fâché. Laissons-le tout seul avec sa colère. Pose-le dans un coin et attendons un peu. Ça va mieux, mais il boude toujours. Compte jusqu'à 10 pour lui laisser le temps de se calmer. Ah, c'est déjà mieux, mais il est encore tout rouge. Dis-lui, tu ressembles à une grosse tomate. Et maintenant, il est temps qu'il nous dise pourquoi il était si fâché. Approche-toi, il va te le dire à l'oreille. Ça y est, la colère est en train de passer. Fais-lui un petit bisou et un gros câlin. Voilà, ce n'est pas grave, tout va bien se passer. Dis-lui, je suis fière que tu aies réussi à te calmer. C'est gentil. Ah, il est bien plus joli ainsi. Dis-lui, tu ne ressembles plus à une grosse tomate, mais à un gros citron. Et voilà, c'était notre première histoire. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai pas l'habitude de faire ça, donc soyez tolérants, s'il vous plaît. Je vous embrasse bien fort et j'espère avoir bien vite de vos nouvelles. À bientôt!